Allez, on peut y aller. Salut Pomé, t'as fait quoi ce week-end? T'es encore allé dans l'espace? Salut! Coucou, ça va? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Bon, je vais bricoler, à tout à l'heure. Moi, ça va. Ouais? Non, ça va, je vais bricoler. D'accord. Salut papa! Salut! Ça a été? Ouais, ça va. Ouais? T'as eu des notes? Ouais, j'ai eu un 16 en physique. Bravo! Très bien. Et attends, tu vas où? Je vais bricoler. Ouais, parce que j'ai reçu le quatrième colis de la saison. Ouais, ça serait bien qu'on y passe de l'argent quand même. Ouais. C'est le dernier? Non, il m'en reste encore un. Ouais, et il coûte combien? Un peu cher. Ouais, ouais. T'attendras ton anniversaire. Merci. Salut. Coucou, ça va? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Ok. Bon, je vais bricoler, à tout à l'heure. Salut tout le monde, c'est Arthur. Cette semaine, j'ai bien avancé, donc je fais une vidéo pour vous présenter mes progrès. Donc on va commencer par un petit récap. Donc ça, c'est le corps de la fusée, avec la sortie pour le parachute et le parachute. Donc on va parler de choses plus intéressantes. Ça, c'est la partie, vous voyez ici, toute la partie électronique. Donc cette semaine, j'ai soudé les capteurs, il ne reste donc plus que le cerveau. Malheureusement, c'est la partie la plus rare et la plus chère. Donc je pourrais l'avoir que pour mon anniversaire qui est dans 6 mois. Donc pendant ce temps-là, je pense pas que je mettrai de vidéo sur le blog. Et merci de votre visionnage et à la prochaine fois. Ok, plus qu'à la mettre sur le blog. Voilà, terminé. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. T'as eu des notes? Non, pas aujourd'hui. Bon. Tiens, par contre, t'as du courrier. Ah, tiens. C'est qui? Le 12-03-2016 à Cap Canaveral. Recrutement. Monsieur Mira Arthur, bonjour. Je suis John Anderson, directeur de la NASA. Au fil de nos années passées au Cap, nous commençons à nous faire vieux. Je vous contacte suite à la découverte récente de vos vidéos publiées sur votre blog, Un pas de plus vers l'espace. Le travail que vous réalisez m'intéresse fortement, car nous sommes actuellement à la recherche de jeunes passionnés par les technologies spatiales. Cela car, comme je vous l'ai dit, nous serons dans une dizaine d'années dans l'incapacité de pouvoir continuer à entretenir la NASA comme elle est aujourd'hui. Et vous semblez être un de ces passionnés. C'est une compétence qui se fait rare de nos jours. Et c'est pour vous encourager à exercer cette passion que nous nous proposons de financer et de mettre en valeur vos projets. Si vous êtes intéressé ou que vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à nous écrire par mail ou par courrier à l'adresse suivante. Cordialement, John Anderson. Mec, là, tu me fais renvoyer pour la sixième fois, c'est trop de galère. Mais moi pareil, ça fait 6ème fois que je me fais renvoyer. Putain, c'est plus...